Voilà l'entrée de Molène, le poteau de balise du chenal et la ville de Molène. Alors donc on approche Molène par les pourceaux. Voilà. On va se rapprocher de Molène. Il a une casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte bleu marine. La bouche sèche, le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle tous les jours et du Yaveka, La Rochelle. Il voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés. Les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la ville promène en Seine-et-Oise, dans sa simca rouillée. On vit la vie dans une brume. Avec une plume dans la tête. Le bleu qu'on met dans la vodka, ça nous rappelle tous les jours et du Yaveka, La Rochelle. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca rouillée. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés. Les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca rouillée. Dans sa simca rouillée. Alors c'est le ferry pour l'Irlande, hein. De beurre et puis au fond c'est la Berbrac. Les navires chargés de goémons hein, ont déchargé à la Béridu. Camaret. Là où là? C'est Thévenec, quand on s'approche de Thévenec, qui est derrière, c'est l'île de Saint.
beau temps aujourd'hui. Du vent, c'est couvert, il y a de la pluie fine, pas trop ardu. Cody, il est en pleine forme. Ah bon, voilà, on se protège, on avance. On va pour la forêt. Enfin, l'Esconil pour la forêt. Alors, je sais pas ce que c'est ce bateau. Coesio. Bateau ravitailleur de Belle-Île. Alors, il y a Taillefer et puis l'autre, je sais plus. On le connaît bien, ce bateau. On vient de toucher un petit peu de vent, d'un seul coup, le bateau il part, il glisse. Cinq, six sur le fond. On entend le chuintement sous la coque. Dernier bord avec Bangalore. Et voilà, donc on va bientôt le mettre à la vente. Probablement qu'on sortira la vidéo. Et puis ben voilà, on a toujours été très contents de ce bateau. Performant. Et puis ben, on s'en sépare pour la raison que Odile ne veut plus naviguer. Enfin voilà, bon, ça commence à être un peu vieux, quoi, ça. Et bah, j'espère que le prochain sera tout aussi satisfait. Voilà. Il est 7h du matin, on part de Piriac. Il fait beau. Et on rentre à Arzal. Donc peut-être qu'on mettra le bateau chez un broker, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Bon, on va la sticker un petit peu, tout ça, quoi. Voilà.